Fin 2013, Xi Jinping était président de la Chine depuis environ 6 mois lorsqu'il a effectué un voyage spécial à Tufu, la ville natale de Confucius et le berceau du confucianisme dans la province du Shandong, pour inspecter la résidence de la famille Kong et l'Institut chinois de recherche Confucius. Au cours de l'échange, Xi a cité plus de 10 lignes classiques des analectes de Confucius. Le secrétaire général Xi nous a rappelé spécifiquement que nous devons prêter attention à l'intégration de notre culture traditionnelle, de notre bienveillance, de notre droiture, de notre rite, de notre sagesse et de notre foi. Quel est le moyen le plus efficace de faire fonctionner ces éléments aujourd'hui? Nous devrions utiliser les expressions d'aujourd'hui pour hériter du véritable esprit de la culture traditionnelle. Moins de 6 mois après sa tournée d'inspection à Tufu, Xi Jinping a fait un voyage spécial pour rendre visite au professeur Tang Yijie, âgé de 87 ans. Le canon confucéen contient plus de 3000 livres confucéens, ce qui sera plus grand que le Sekou Quanshu, qui contient la plus grande collection de livres chinois anciens. Le canon confucéen est la quête de toute une vie du professeur Tang et au cœur du président Xi Jinping. Le secrétaire général Xi nous a également demandé spécifiquement s'il y avait des difficultés à compiler le canon confucéen et a dit que le gouvernement nous soutiendrait. Le professeur Tang et toute l'équipe de rédaction ont été très encouragés. 有朋自远方来，不亦乐乎。 En septembre 2014, Xi Jinping a cité ces mots tirés des analectes de Confucius dans son discours d'ouverture pour accueillir des invités du monde entier. C'était la première fois qu'un dirigeant d'État assistait et s'adressait à un symposium international sur la naissance de Confucius. 不忘历史，才能开辟未来；善于继承，才能善于创新。 De Tufu et de l'Université de Pékin au séminaire sur le confucianisme, Xi Jinping a parlé et prêté attention au confucianisme à de nombreuses reprises à différentes occasions en l'espace d'un an. D'une part, il puise l'essence de la gouvernance dans l'excellente culture traditionnelle chinoise, y compris le confucianisme, et d'autre part, il y cherche des solutions face aux problèmes mondiaux. Le monde a des
包括儒家思想在内的中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示，比如关于道法自然、天人合一的思想，关于天下为公、大同世界的思想。L'esprit public règne sur terre, par l'ancienne école de pensée chinoise confucéenne, est également la solution chinoise donnée par Xi Jinping pour résoudre la question de l'époque « Où va le monde et que devons-nous faire ?»大道之行也，天下为公。发展的目的是造福人民，要让发展更加平衡，让发展机会更加均等，发展成果人人共享，就要完善发展理念和模式，提升发展公平性、有效性、协同性。Le confucianisme met l'accent sur la coopération, la collaboration, l'éducation, la discipline et l'étude. Toutes ces choses sont importantes pour réussir dans le monde moderne. C'est très important car le passé fournit des précédents sur ce qui fonctionne, sur la façon de motiver les gens, sur ce que l'on fait en cas de crise et sur la façon de résoudre les dilemmes. Tout cela est contenu dans les cinq classiques et les différents commentaires de la tradition. Je pense que tous les pays du monde comprennent maintenant que le rôle de la Chine dans le monde est de plus en plus important. La Chine est une rêve. 穷则独善其身，达则兼善天下，这是中华民族始终崇尚的品德和胸怀。